Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en forêt à la Bouilladise pour vous parler d'un concept de chambre d'hôte tout à fait insolite. Ça s'appelle les attrape-rêves et l'idée c'est de vous faire dormir dans une bulle en plein cœur de la nature. Regardez. L'avantage de ces bulles, c'est que vous avez tout le confort d'une belle chambre d'hôtel avec la sensation d'être en pleine nature. D'accord. Voilà, vous avez un lit, vous avez un très bon lit king size, vous avez l'électricité, l'éclairage, du chauffage en hiver. Et voilà, avec une vue sur le ciel extraordinaire. Alors ici, on est dans une vraie forêt avec une fraîcheur qui tombe le soir, plus une humidité qui ressort toujours un petit peu. Tout ça, c'est envoyé dans la bulle par l'intermédiaire de la soufflerie qui alimente la bulle en air pour qu'elle reste gonflée. Et du coup, ça fait une climatisation naturelle, en fait. Et ce qui fait que mes hôtes passent de très bonnes nuits au frais. A ouvert en 2010 avec une bulle, puisque c'était un sacré challenge. Hein, le pari n'était pas gagné d'avance, puisque on est initiateur du concept. Les gens étaient au rendez-vous très rapidement, puisqu'à la fin de l'année 2010, déjà on avait installé 3 bulles sur le domaine d'Allot. Depuis, les bulles ont fait des bébés. Au total, on a 18 bulles qui sont réparties sur 3 départements, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Provence et le Var. Il y a des bulles qui sont orientées uniquement vers le ciel, qui sont donc semi-ouvertes, semi-transparentes, semi-opaques. Donc elles sont vraiment orientées vers le ciel. Et puis d'autres qui le sont totalement, hein, pour une immersion totale à 360 degrés. Donc là, on va jouer avec la flore qui nous entoure et la faune également. Hein, parce que parfois ici, on peut faire des rencontres. On peut voir des écureuils, des petits lapins, récemment justement un sanglier. Voilà, mais quand on est dans la bulle, on ne craint rien, donc pas de soucis.